Bienvenue à Fernfield, où rien n'est impossible. Vas-y, va chercher l'anneau dans ma chambre. Tout va bien? Ouais, Buddy revient tout de suite. Salut Buddy. Salut, Buddy! Qu'est-ce que ça fait là-haut, ça? Amène-toi, Frank, c'est fini. On y va. On y va. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes réunis aujourd'hui dans la maison de Dieu pour témoigner de la volonté de Jackie et de Patrick de s'unir dans le Saint-Sacrement du mariage. Où est-ce que tu cours comme ça, Buddy? Maintenant, Patrick, veux-tu passer l'anneau nuptial au quatrième doigt de la main gauche de Jackie? Merci, Buddy. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare devant Dieu mari et femme. Tu peux embrasser la mariée. It's the way you smile when you look my way. Your crazy moves make me laugh all day. It's the butterflies I get inside when I feel your heartbeat next to mine. Love sparkles like a diamond ring. Love, you find it in the little things. Oups, c'est rien, il y a longtemps que je n'ai pas dansé. No doubt, that's what love. Qu'est-ce que tu en dis? Ils forment un beau couple tous les deux. Oui, et ils ont l'air super heureux.
Oh, voilà Timmy Sanders. J'ai une idée, Andrea. Si on allait jouer au soccer. Je crois que... Oui, c'est une bonne idée. Oui, ici, vas-y. Un retriever. Deux retrievers. Fourrière. Alors, les enfants, lequel de vous va m'aider à porter maman pour passer le seuil? Je pense que tu auras déjà bien assez à faire pour porter tous les cadeaux à l'intérieur. Ne t'occupe pas de moi. J'ai vu ça dans des vieux films, c'est un peu ringard. Terminus, allez, tout le monde descend. Allez, viens, on rentre. Allez, tout le monde aide à porter les cadeaux. Oh. Oups. Attends, je vais t'enlever ça. Voilà. Je prends ceci, ils sont lourds. Attention. Moi, je prends ceci. Ça ira? Ouais, t'inquiète. Oh. Il en avait marre d'être enfermé. Tu viens, Andrea? Ça va, là, derrière? Ouais, ouais. Oui. Oh, là. Non. Tu crois qu'il serait contrarié, papa, s'il savait? S'il savait que je me suis remariée? Oui. Tu crois qu'il le sait? J'en suis certaine. Et je suis sûre qu'il est très heureux pour nous. C'est vrai, il est heureux, tu penses? Oh oui, chérie. Je suis sûre que Patrick lui plairait, tu sais. Ça lui mettrait du baume au cœur de voir qu'on a trouvé quelqu'un qui nous aime autant. Oui, il nous aime. Il s'occupe bien de nous. N'oublie pas, ma chérie. Tu peux parler de lui à ton papa quand bon te semble. Hmm? Ça lui fera plaisir de savoir ce que tu penses. Je sais. Sauf que moi aussi, j'aimerais savoir ce qu'il pense. Je sais. Allez, bonne nuit, mon ange. Bonne nuit. Salut, Buddy. Alors, Buddy. Bonjour, mon beau. On balade, Buddy? Regarde, maman, c'est Buddy. Ils sont pratiquement neufs. Salut, petit. Voilà. Allez, viens, ma belle. On rentre. Oh,
mains, c'est quoi ça? Ben, une piscine. Ils ont une piscine? T'avais raison, alors ils sont vraiment riches, ces gens. Bon sang, j'ai filé ce fichu cabot à travers toute la ville ce matin. Et j'ai pas réussi à l'attraper. Mais c'est pas grave, tôt ou tard, tous les chiens rentrent chez leur maître. Ouais, on n'a qu'à l'attraper ce soir, pas vrai? Exact. Ce qui veut dire qu'on va devoir entrer par effraction. Mais avant de passer à l'acte, il faudra que tu aies fini tous tes devoirs, Webster. Oh. À toi de faire le premier quart, d'accord? D'accord. Entrée par effraction. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un couteau suisse. Canif, tournevis, sifflet. Mon grand-père l'a offert à mon père. Ensuite, mon père me l'a donné à moi. Maintenant, c'est à toi qu'il revient. Oh, tu en es sûr? J'en suis sûr. Merci. C'est un porte-bonheur, en quelque sorte. Buddy? T'as qu'à rentrer avec maman, moi je dois passer voir un truc à la bibliothèque. Ok, pas de problème. À plus tard, Buddy. Hé, Tammy ! Allez, viens, Buddy. Regroupez-vous, s'il vous plaît. Je suis un peu en retard, je sais, mais le jour de la rentrée, il y a tellement de choses à faire. Je m'appelle Emma Putter, mais c'est plus cool si vous m'appelez Emma. Aujourd'hui, on se contentera de voir les principes fondamentaux, d'accord? Le football est un sport d'équipe qui demande de la discipline, car il y a certaines règles à respecter. Pardon, Emma, on croyait que c'était au soccer qu'on allait jouer. Oui. C'est pareil. En Europe, le football est un synonyme de soccer. Tu sais ce que c'est, un synonyme? Pas la moindre idée. Bon, si on voyait ça sur le terrain. Ouais, ok. Ouais. Oui. Allez, 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 allez. Prenez chacune un ballon. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Touchez le sol, comme ceci. C'est ça, levez bien vos genoux, oui. À toi, chute dans le ballon. Ok, je crois que pour aujourd'hui ça suffira comme ça. Vous avez toutes fait un bon travail, alors je compte sur vous demain à 3h. D'accord, oui, d'accord. À demain. Emma, Emma, attends. Il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. Si tu veux. Tiens.
Emma, je te présente mon frère préféré, Josh. Enchantée, frère préféré, Josh. Bonjour. Tu es nouvelle ? Oui, avant, on habitait en Angleterre. J'ai entendu dire que tu étais inscrite à... Fernfield, en seconde. Bien. Emma, au secours, mon fils est pris dans le filet, viens vite. Emma ! Excuse-moi, je crois qu'on a besoin de moi là-bas. Bah, bientôt, sans doute. Salut. Salut, maman. Hey. Ah, salut, maman. Qu'est-ce que tu fais encore ici ? Je voulais être sûre que t'avais pas oublié de venir chercher Andrea. Oups, voilà, ça y est. Merci, Emma. Non, oh, ça, c'est gentil. Bon, Josh, à tout à l'heure, alors. Oh, Madame Brookstone, c'est dingue. Vous savez qui je viens de rencontrer? C'était un film génial. Ouais, j'ai adoré. Kate, je suis là. C'est elle, la fille en mauve. Il nous faudra encore au moins 3 joueurs dans l'équipe de football. Et pour l'entraîneur, n'importe qui ferait l'affaire, de toute façon, au point où on en est. Ils sont trop mignons avec ces maillots. L'entraînement commence à quelle heure? Je veux pas manquer ça. Après le dernier cours. Mon pote, je te laisse, désolé. Je compte sur toi, tu verras, c'est super génial. Ce ballon, hein, ça va pas, hein. Tout le monde est là. Bon. C'est tout. Hey. Vous devez savoir... En général, dans le football classique, contrairement au football américain... Aucun équipement particulier n'est nécessaire. Bon, cela dit, merci d'être là, mais... Pour pouvoir constituer une équipe, il nous faut 2 autres joueurs. Qui se présentent ? Oui, moi, je suis partant. C'est du foot, pas du basketball, mec. L'équipe est déjà complète. Vous n'êtes que 9 ? Il manque 2 joueurs, si je compte bien. Ok. Du calme, les gars. Tout le monde a le droit de jouer. Tu tiens vraiment à jouer comme ça ? Non. Je reviens. Ok. Tout contact physique entraîne une pénalisation, n'est-ce pas ? C'est ça. Bon, il s'agit avant tout de faire circuler le ballon. Tâchez de visualiser à l'avance son parcours pour pouvoir profiter de chaque occasion. Bon, voyons ce que vous savez faire. Tiens. I try to see the bright side. C'est mou tout ça, allez, du nerf, on se remue là. Je l'ai. Oh, par ici. Josh, attrape. Désolé. Allez, Josh, debout. C'est pas vrai. Oh non, Ninos, por favor. Par ici. Attention. Vas-y. Je l'ai. And this better get better. Anticipez. C'est pas du balai ici, c'est du foot. Faites circuler le ballon. Qu'est-ce que tu fous? Tire, allez. Mais parfois, je me laisse emporter. Joli comme jeu de jambes, Potter. Ça te dirait de me montrer comment tu fais ? D'accord. Quand tu veux. Bon, tout le monde en file. Tire au but. Sam, au filet. Regardez comment on fait. Personne m'a jamais mis un but. Encore moins un cabot qui se croit imbattable. Non, mais pour qui il se prend ? Il croit pouvoir tenir tête à Herbud ?
Qu'est-ce que vous racontez? Un chien qui joue au foot? Buddy, viens mon vieux. Oui, à toi de jouer, Buddy. Fais-leur voir ce que tu sais faire. Viens là. Ouais, c'est ça. On va se marrer, je crois. Il faut que le ballon arrive dans le filet. Droit dedans. Allez, vas-y. Alors quoi, sac à puce? J'ai autre chose à faire. Prépare-toi. Bien joué. C'est vraiment remarquable. Hé, hey coach, est-ce qu'il peut rejoindre l'équipe? On dirait... qu'on a trouvé un nouvel équipier. C'est bien, le chien. Bienvenue dans l'équipe, Buddy. Et qu'est-ce qui vous a amené à Fernfield? Après la mort de ma mère, on a voulu laisser les souvenirs derrière nous, alors on est venu ici. Je suis désolé pour ta mère. Maintenant, ça va. J'y songe, à propos, on organise une boum pour ceux de l'équipe. Ça te dit de te joindre à nous? C'est vendredi à 19h. Sauf évidemment si t'as un autre plan. Non, vendredi justement, je suis libre. Génial, on se voit ici? Ouais. Ok, tu viens, Molly? Vendredi justement, je suis libre. Tu parles d'un imbécile. Viens, on fait la course. Oh, attention, pile. Le ballon, le lâchez pas, reprenez-le. Et les défenseurs où ils sont? Vous dormez ou quoi? On va se refaire, c'est pas grave, c'est encore qu'un point. Vas-y, Buddy, mets-le dedans. Je l'ai. Vas-y, shoot. J'y vais. Où est ma balle? Buddy, passe là. Ouais. Bon travail d'équipe. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Contrairement à ce qui était prévu, le prochain entraînement ne se fera pas samedi, mais bien illico. Quoi? Juste après avoir joué tout un match? Un match? Quel match? J'ai pas vu de match, moi. J'ai vu une équipe qui jouait au foot, ça oui, et une autre qui jouait à balle chasseur. C'est quoi le plus important au foot? Pas de contact. C'est les yeux. Vers où va se diriger le ballon? Qui est prêt à le recevoir? De quelle façon je vais pouvoir me mettre en position pour recevoir une passe? Je vous ai regardé faire pendant ces 90 minutes. En dehors d'Emma et de Buddy, je ne crois pas avoir vu une seule passe correcte. J'aime autant vous dire qu'avant de rentrer chez vous,
vous saurez ce que c'est qu'une passe. Bon. Alors, debout, on y va. Ok, allez-y, ça doit aller plus vite. Passez, passez en vitesse. Voilà, c'est ça. Non, reprenez. Passez-vous le ballon rapidement. Allez, à quoi ça ressemble? C'est n'importe quoi, ça. Yeah. Courez droit. Oh, c'est pas vrai. Ça va. Hé, hey, Tom, tu viens à la petite fête d'Emma? Une fête? Quand ça? Tu y vas? Ok, le jeu du pigeon. Buddy, c'est toi le pigeon. Façon de parler. Tiens, attrape-le. Vas-y, Buddy. Dégage-la. Hé, hey, hey. Allez, vas-y. Tiens, prends-le si tu veux. Allez, attention, vas-y. Il est déjà dessus. Oh. Passe, passe. Ouvre. Oh. Hé, hey, vendredi, il y a une fête chez Emma, tu y vas? Ouais, ouais, j'y vais. Moi aussi, ouais. J'ai envie de mettre un truc qui rappelle l'Angleterre. Tout le monde sait que les Anglais sont très attachés à leurs traditions. Allez. Ouais, ouais, elle va adorer. Vise un peu le style. Ouais. Ouais. Merde. Oh. Eh bien. C'est pas mal. Ça ressemble à du foot, maintenant. Dernière chose, le prochain match se jouera contre les champions de la Ligue, les Springboks Spartiates. Ah. Vous devez savoir que depuis plus d'un an, cette équipe n'a pas encore été battue. Ah. Tu verras, il est réglé comme une horloge. Comment sais-tu qu'il le fera ce soir aussi? Fais-moi confiance, je sais de quoi je parle. Chut. Dépêche-toi, il faut pas qu'il nous échappe. Allez, doucement les filles. C'est quoi cette odeur? T'as mis un parfum? De l'après-rasage. Buddy sent pareil après son shampoing. Bon, toi, tu prends par la rue et moi, je vais par le parc. On se confirme tout contact visuel en code, d'accord? À quoi ça sert? Personne nous écoute. Ici Barbie, Shelley, tu m'écoutes? Je viens de trouver le petit pousset. Terminé. N'importe quoi, mais avec ce qu'on dit de la cuisine anglaise, si tu manges rien, c'est pas plus mal, ça te fera un bon petit régime. C'est l'équipe de foot du lycée. On est sûrement chez Emma, c'est une soirée. Emma? Tu veux dire notre coach Emma? Ouais. Tu viens. Hey, Josh! Salut, mec. Salut. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est original. C'est un kilt. Les gonzesses adorent les mecs qui soignent leur look. Buddy est avec toi?
Allez, venez, entrez. Salut. Alors, comme ça, ta famille est écossaise? Non. Hé, hey, Tom, t'as pensé à amener ta cornemuse? Tu te crois drôle? C'est une jolie maison. Ah, oh, tout est encore sans dessus-dessous pour l'instant. On vient à peine de s'installer, tu sais. Papa n'a pas encore trouvé de majordome. C'est lui qui s'occupe de tout ce soir. Heureusement qu'il y a Madame Brimstone. Oh, si jamais t'as besoin d'un coup de main, je peux... Ça t'ennuie pas? Ah non. Tu sais, moi, ça me met mal à l'aise d'espionner. Écoute, c'est nécessaire. Il faut bien qu'on retrouve Buddy. Désolé, je passe. Attention. Oh, pardon. Vous permettez, voilà. Voilà. Papa. Oh, oui. Je te présente Josh. Oh, enchanté. Monsieur, c'est un plaisir. On manque de personnel en ce moment, mais on assure. Au fait, vous voulez du gâteau? Non. Là, le contrôle nous échappe, monsieur Potter. C'est la débandade. On s'en sortira, ma chère. Ce n'est jamais qu'une simple boum, n'est-ce pas? Oh, excusez-moi, je vous prie. Je vais ouvrir. D'accord. Oh, moi, c'est Josh. Tenez. Portez ceci à la cuisine. D'accord. C'est par là. Je te jure, c'est le chapeau de mon grand-père. Il me l'a donné il y a des années. Salut. Ah, salut, Josh. Salut. Bon. Enfin, bref. Bingo. Buddy a une petite copine. Tu crois que c'est pour ça qu'il vient toujours ici? Ben, je suppose. Viens, allons-nous-en maintenant. À t'as goûté le punch? Ça va la motiver. À l'aide! À l'aide, Emma! Oh, mademoiselle, c'est votre père, c'est catastrophique. Il est coincé à l'intérieur. Papa, tu vas bien? Surtout, pas de panique, je me porte bien. Vous permettez? Une petite seconde. Voilà. Oh, vous êtes là. Oh, c'est vraiment gentil. Oh, quel talent, Josh. Je commençais à me sentir légèrement à l'étroit là-dedans. Oh, vous avez toute ma gratitude, Josh. Pas de quoi. Alors, oh, un grand merci, Madame Brimstone. Oh, mon Dieu. Tu lui as sauvé la soirée, là. Oh, no problemo. Qu'est-ce que c'est? Il est marrant, ce couteau. C'est un couteau suisse. Il appartenait à mon beau-père. Ah, et ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est juste un sifflet. Pas terrible. Ah, tu devrais essayer, je suis sûr que t'as une bagnole. Ah non, c'est des méchants. Je reviens. Je m'en charge. C'est le sifflet qui a fait ça. Monsieur Peter? Oh. Votre fête était très réussie. Elle a été quelque peu mouvementée, je dirais. ouais. Bien, je... À bientôt. Merci d'être venu, Josh. Oui, merci à vous. Oui, au revoir. Au revoir. J'ai réfléchi et je me demandais si... Oui, enfin, je me demandais si, par exemple... Emma, oh... je te cherchais. Viens vite, j'ai des trucs à te raconter. C'est au sujet de Gary. Tu ne devineras jamais ce qu'il m'a dit. C'est dingue. Bonne nuit.
il nous faut un complice à l'intérieur. Ça ne vous ennuie pas si je demande à voir les résultats de votre dernier examen médical? Voyez-vous, je me demande si vous vous sentez capable, du point de vue physique, d'assurer les besognes qui incombent à un majordome. Oh non! Je vous interdis bien de me dire ça! J'ai juste dîné avec Sa Majesté. Ah, je vois. Bien, merci. C'est vraiment gentil. Madame Brimstone va vous accompagner. Oh, très bien! Un certain Webster est arrivé. Je vais le recevoir. C'est également mon avis. Oh, bien sûr. Par ici, monsieur. Claire. Venez, je vous accompagne. Oh, ma chère, c'est une tragédie. Au revoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oh, bonsoir, monsieur Webster. Je vous en prie. En général, on m'appelle Willy. Oh, très bien, Willy. Avez-vous quelques pratiques de ce genre de travail? J'ai longtemps travaillé au service du président de l'association canine des maîtres chiens. Vous connaissez donc les chiens. Quelle coïncidence extraordinaire. C'est excellent. Voyez-vous, le retriever de notre fille n'est pas en grande forme ces derniers temps. Votre expérience nous sera utile. Eh bien, vous êtes exactement la personne qu'il nous faut, on dirait. Bienvenue à bord. Très heureux. Madame Brimstone. Je désire vous présenter notre majordome. Willy, voici Madame Brimstone, notre fidèle gouvernante. Absolument ravi. Ils ont une fille dans leur équipe. Aucun règlement ne l'interdit. C'est tout à notre avantage. Allez, messieurs, en piste. Et qui c'est ce Buddy Fram Retriever? Apparemment, c'est un chien, coach. La mascotte? Non, l'avant-centre. Eh ben, si c'est tout ce qu'ils ont à nous opposer, on est tranquille. Pour cette fois, l'équipe devrait s'en sortir sans toi. Papa, tu te rends compte que... Sir, Bud. Allons-y. Amuse. À Tom. Je l'ai. Emma, à toi. C'est excellent. Wow. La fille a mis un goal. Il semble que oui. Un coup de chance. Allez les mecs, du nerf! Rien n'est encore joué! Dégagez le terrain! C'est ça, vas-y! Je l'ai! À toi, Josh! Sur lui! Sur lui! Couvrez le but! Joli! Bien joué, y a pas... Non, mais tu as vu ça? Qu'est-ce que vous attendez pour bloquer ce maudit chien? Tous sur lui! Tous sur lui! Allez, maintenez vos positions! Tom, monte à l'avant! Attention! Bouze! Un tir long! Passe à Tom! Allez, tu peux l'avoir! Attention, Tom! Hein? Yes! C'est presque l'heure. Hé, Emma? Est-ce que ça te dirait de venir avec moi?
Comment? Qu'est-ce que tu dis? Ça te dirait de venir au cinéma avec moi, samedi par exemple? On est en plein milieu d'un match, Josh. D'accord. Samedi, c'est bien ça? Génial. Ça y est, ouais! Ça fait à peine 3 semaines que cette équipe joue. Ça risque de nous coûter cher dans les pronostics, chef. Si tu crois que ça va se passer comme ça, c'est plus du football, ça, c'est du cirque, des gonzesses, des chiens, et quoi encore? Un babouin, peut-être? Si vous voulez, j'ai un chien, moi aussi. Je présume que vous avez trouvé ça drôle, cette plaisanterie, Montoya. Je dois vous avertir qu'en tant que président de la fédération, j'ai l'intention d'introduire une protestation. Je sais que c'est dur, la défaite, mais votre équipe a fait preuve d'un grand courage. Écoute, c'est simple. Il ne faut en aucune circonstance que tu lui fasses voir que tu es amoureux. C'est le point fondamental, la toute première règle. Et c'est vrai que je suis amoureux. Ça, je le sais. Mais elle, elle ne doit pas le savoir. Enfin, voyons, Josh. Il sait ce qu'il dit, Casanova. Merci beaucoup, bon appétit. Ça. Buddy! Ninja féroce. Alors, ça gaze pour toi au lycée? Oui. Moi, je me donne encore un an et puis j'enfourche ma pétoire et je lève l'ancre. T'as quoi? Ma motocyclette. Tu as une motocyclette, toi? Ben non, pas encore, mais d'ici là, j'en aurai une. Au suivant. 2 pour Ninja Féroce, s'il vous plaît. Ok. Ce sera tout? Merci, oui. Bonne soirée. Tu es sûr que ce n'est pas trop violent, ce genre de film? En bas à gauche. J'adore les films violents. Est-ce que tout va bien, Josh? Ouais, ça va, bébé. Bon, à boire. T'as du beurre de cacahuète? Ah, oui. Il y a ça. Ça suffira. J'arrive tout de suite. Tu m'attends, hein? Oui. Mais fais vite. Les films te font toujours réagir ainsi. Pourquoi tu dis ça? À chaque fois qu'ils se battaient, tu te couvrais les yeux. Ah ouais? Et tu gémissais. Ah, ouais, j'adore en rajouter avec ce genre de film. Ah, c'est ça. Josh, je voudrais savoir quelque chose. Vas-y, bébé. Avant toute chose, je m'appelle Emma et non bébé. Pourquoi agis-tu de cette façon? Qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est débile, cette façon d'être. Ah bon? C'est avec toi que je voulais sortir. Sûrement pas avec ce que je vois. Tu devrais d'ailleurs enlever ces lunettes ridicules. On est déjà arrivé chez toi. Un de ces quatre.
Bonsoir. Je peux te rappeler ou... Si tu veux m'appeler, surtout n'hésite pas. Appelle-moi quand tu veux. Tom, j'aurai ta peau. T'as passé une bonne soirée, toi, moi. Tu as devant toi le type même du loser. Alors, comment c'était la soirée? No comment. Si mal que ça? Pire. J'ai fait l'idiot, mais c'est un peu tard pour s'en rendre compte. Tout ne se passe pas toujours comme on veut, quand on veut. Mais si vous êtes sincère, vous vous retrouverez. Pas sûr avec ce qui s'est passé ce soir? Aie confiance en toi, Josh. C'est la seule façon d'avancer. Merci. Pas de quoi. Bon, ben, à demain. À demain. Et là, j'aurais dû m'en rendre compte. Hein? Josh, t'as entendu ce que j'ai dit? Non. Lézard. Mince, t'as vu ça? Mais il y a personne. Et qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils sont tous? Et dites, coach, c'est quoi cette embrouille? Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'en sais fichre rien. Coach Montoya. Ah non, pas celui-là. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Je pense que vous avez un petit problème. Ah oui, lequel? Je reviens d'une réunion qui s'est tenue à la Fédération. Vous vous souvenez, je présume que j'en suis le président en fonction. Or, nous avons... Enfin, la Fédération a décidé de vous disqualifier de la Ligue. Pour quelle raison? Ils peuvent pas nous faire ça? Mais c'est débile. Non, une minute, Jack, c'est tout à fait ridicule. Ce chien a déjà fait partie d'autres équipes à Fernfield. C'est la Fédération qui décide qui on admet dans une équipe. Et dans le cas de ce chien... La Fédération lui refuse le droit. Donc, ou bien vous écartez ce chien de votre équipe, ou bien c'est votre équipe qu'on élimine de la Ligue. À vous de choisir. Passe-moi le ballon. Voilà, coach. Emma, s'il te plaît, viens ici. Bonjour. Tu m'envoies ce ballon, là. Fernfield, 1 point. Roxbury, 0. Venez, on rentre. Ça ne comptera pas, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Qu'est-ce qu'il nous prend? Buddy, doucement, voyons. Je crois que c'est le moment. Buddy, voiture, vite.
Où veux-tu aller, Andrea? C'est trop long à expliquer! Venez vite, venez vite! Ça y est, presque! Andrea, de quoi s'agit-il? Je crois que Buddy et Molly sont devenus copains. Je crois qu'ils sont bien plus que copains, tous les deux. Il vient ici tous les jours. Buddy? Grand Dieu. Oui, alors? Il nous faut plus d'eau chaude, Monsieur Potter. Plus d'eau chaude. Plus d'eau chaude. Oh! Voici la famille de Buddy, papa. Oh, très heureux, très heureux. Comment est-ce que ça se présente? Eh bien, je n'en sais trop rien, à vrai dire. Mon père est vétérinaire, il pourrait l'aider? Depuis combien de temps n'a-t-elle rien mangé? Oh, je dirais que ça fait 20 heures. Tu te sens le courage de m'aider? Enchanté. Oh. Leur bébé est déjà sorti. Oh, oh grand Dieu. Oh mince. Qui aurait imaginé ça, notre petit Buddy? Il y en a encore. Oh, trois. Ça fait quatre. Deux de plus. Oh, ça fait six bouches à vêtir, nourrir et éduquer. Oh, mon Dieu. À l'idée, je me sens défaillir. Oh, pauvre de moi. Vous voulez venir les admirer? Tu crois qu'on peut? Ils sont adorables, n'est-ce pas? Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons! Regardez! Oh, ils sont magnifiques. Buddy a des enfants. Quand Buddy et toi, vous avez rejoint l'équipe, on est devenu une famille où chaque membre a de l'importance. Tu n'as pas le droit de tout laisser tomber. Je ne veux pas qu'à cause de moi, l'équipe soit éliminée. Tu sais, tu n'es pas le seul concerné. N'oublie pas qu'on fait tous partie de l'équipe. C'est notre problème à tous. Ça simplifierait quand même les choses si Mais ce ne serait plus du tout pareil sans toi et Buddy. Vous nous manqueriez, tu sais. C'est vrai. C'est vrai, je te manquerai un peu. Oui, tu es content, bébé. Dépêche-toi, Steve, on va être en retard pour le match. L'équipe des Timberwolves exclut de la ligue. C'est quoi ça? C'est toi qui as fait ça? Les règles sont les mêmes pour tous, fiston. Tu as fait exclure l'équipe parce qu'ils font jouer un chien? On n'a aucune chance de gagner, selon toi? C'est pas juste, parce que sans ce chien, ils n'auraient jamais gagné. S'ils ont gagné, c'est parce qu'on n'a pas été à la hauteur. C'est aussi simple que ça. Allô, Montoya, oui? Allô, oui, c'est Stern. C'est juste pour vous dire que le bureau a changé d'avis. Votre chien peut jouer. Ah. Bah, je vais en informer l'équipe sur le champ. Oui, bonne chance. Hey, bravo! Yes! Les
Timberwolves sont réintégrés. Timberwolf continue sur la voie du succès. Oh non, tous! Oh, attention! Oh. Arrêtez, mais arrêtez! Les Timberwolves face aux Springboks en finale du championnat. Webster, la voie est libre. Alors, remets tes fringues de majordome, va chez les putters et ouvre la grille d'entrée. Il y a un problème. Chut. Qu'est-ce qu'on va faire? Neutralise la chienne. Les chiots, je m'en charge. Allez, rentre là-dedans. Viens maintenant. Attrape les chiots. Les chiots, oui. Dépêche-toi. Oui. Ok, ok. Prends-les. Oui, oui. Allez, venez vous voir. Qu'est-ce qui lui arrive? Suivons-le. Passe-le-moi vite. Allez, à toi, rentre ici dedans. Viens là. Plus vite. Allez, fais de la place. Allez, allez, dépêchons. Oh, dépêche-toi, il en reste trois. Allez, va rejoindre les autres en vitesse. Vite. Il en manque un. Il en manque un. Ah, le voilà, on les a tous maintenant. Allons-y, fichons camp. Oui, allons-y. Attention, attention. Ah, ferme la porte, vite, vite. On se tire maintenant, on se dépêche. J'arrive. La voix de papa. Emma! Emma, je suis enfermée dans le placard! George, qu'est-ce qui lui arrive à Molly? On lui a kidnappé ses bébés. M'aider, m'aider ici, Barbie! Est-ce que tu me reçois? Barbie, ici, Shelly. Je te reçois 5 sur 5. On a enlevé les bébés de Molly et Buddy.
Reçu, qu'est-ce qu'on fait? Prépare ton équipement et viens à la fourrière, terminé. Tout doux, les chiens. Oh. Enfin, on y est arrivé, hein. Ah, dis donc, attends, va te changer en vitesse. Okay. Et va préparer la caisse. Josh! Andrea! Buddy! À mon avis, ils sont déjà allés au match. Et on ferait mieux de se dépêcher si on veut des places assises. Donne-moi 2 minutes et on peut y aller. Je le reconnais! C'est le filou qui m'a enfermé, ils doivent être complices! Va t'occuper de l'autre! Vous connaissez cet individu? Smerbert. Il ne travaille plus ici depuis longtemps. On a dû le virer. Et vous savez où il habite? Non, il me semble que c'était du côté de la voie ferrée. Andrea, Tammy, venez! Mesdames et messieurs, bienvenue à la finale du championnat de la Ligue qui opposera les Springboks Spartiates au Timberwolves de Fernsville. Mais avant cela, il nous faut saluer la présence parmi nous d'une invitée d'exception de l'équipe nationale féminine de football des États-Unis d'Amérique, Brianna Scurry. Maintenant que les présentations sont faites, il est temps de passer aux 90 minutes qui consacreront les nouveaux champions. Oui, Ted, c'est cet après-midi que les champions seront enfin connus. Mais le plus incroyable, vu l'importance de l'enjeu, c'est que l'équipe de Fernfield va devoir commencer le match sans 3 de ses joueurs pivots. Oui, il semblerait que des joueurs de tout premier rang, comme Emma Putter, Joss Fram et le célèbre Air Bud, sont absents du terrain. C'est évidemment un contretemps très malheureux. D'autant que l'équipe des Spartiates, elle, a retrouvé son joueur fétiche après une longue absence due à une blessure, j'ai nommé Steve Stearns. Fernfield doit être sur des charbons ardents cet après-midi. C'est un jeu décisif, et ils le savent. Enfin, où sont-ils donc passés? Josh est du genre ponctuel. On va monter voir. Toi, tu nous attends ici, d'accord? Mais Josh, on devrait... Fais ce que je te dis, Andrea, tu nous attends ici. Venez les chiens, c'est par ici. Il suffit de passer par la porte, vous inquiétez pas. Viens, Molly! C'est par ici. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de nous attendre dehors. Attends. T'as pas entendu un bruit? Ouais. Tu pourrais peut-être aller jeter un coup d'œil. Oh! J'entends quelqu'un. Vite, cachons-nous. Vite, cache-toi. Eh oh! S'il y a personne, dites-le. C'était rien, patron. Apparemment, c'est juste un chien. Il devrait pas y avoir de chien ici. Tiens, mais c'est vrai, ça. Oh. Vite, filons. Oh, attrape-les. Par ici, venez. Ils sont là-dedans. Ça y est, les dés sont jetés, les Spartiates se sont déjà emparés du ballon. Fonce, fonce, fonce! Vas-y, Kimi, ne lâche pas! Dégagement vers Stearns, il se place en position d'attaque, une passe et goal! On l'a eu, ouais! Superbe goal! Les Spartiates ouvrent le score après 45 secondes de jeu, 1-0. Fernfield est en mauvaise posture. Emma, prends le sifflet pour chien dans la poche de mon sac, vite! Ça y est, arrache les charnières, là et là. D'accord. Tous sur lui. Oh,
l'arbitre vient de siffler une faute de main contre la défense des Spartiates. C'est une fameuse occasion pour les Timberwolves. Sam Drake va tirer un pénalty, ce qui peut les amener à égalité. Allez, Drake, pulvérise-le! Ah, un match nul remettrait Fernfield en course. Voici, Sam, tu peux le faire! Oui, go! Yeah! Un partout, le match est relancé! Quel superbe tir de la part de Drake! Fernfield a à nouveau toutes ses chances! T'attends peut-être que je le fasse? Tire, nom d'un chien, tire! T'as pas entendu un bruit? T'occupe pas, mets-toi au travail! Je suis sûr d'avoir entendu un bruit, pas toi? Au boulot et plus vite que ça! Oh, patron, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut ficher le camp! C'est bon, on les a semés. Ne restons pas ici. Gentil. Gentil, les chiens. Bon chien, chien. Assis, assis. Ils sont déjà assis, patron. Restez assis. Ils nous auront pas ici. J'en sais rien, partout, ils doivent être quelque part par ici, cherchons. Il les a trouvés! Pas l'air content, patron. Oh, patron, ils ont vraiment pas l'air contents. On peut savoir ce que vous espériez en volant tous ces chiens? Il veut devenir riche? Webster, tais-toi. Je voulais juste un copain, moi. Depuis que je suis tout petit, j'ai envie d'un chien, mais lui, il voulait les Webster, vendre. Webster, tais-toi. Tenez, prenez-le. Oh, viens là, toi. Oh. Salut. Il a l'air de bien vous aimer. Josh, le match a commencé. On n'y arrivera jamais, c'est trop loin. Je vais vous conduire. Mais il pourrait s'échapper. Il n'ira nulle part, sois tranquille. Shelly, ici Barbie, nous sommes en route vers le stade. Rendez-vous là-bas, terminé. Oh, enfin, si on y arrive. Allez, contre! Contre! Dégagement vers Stearns. Il pivote, il tire et but! Wow, quelle action, Stearns! Quel talent, ce garçon! Les Spartiates viennent de marquer un deuxième but à moins de 7 minutes de la fin. Votre camion tiendra le coup! Point de crainte, jeune fille, quand Webster tient là-bas. Tout tombe en miettes, je crois qu'on n'y arrivera jamais. Oh.
les arrières. Les arrières. Les choses se présentent mal pour les Timberwolves. Ils sont menés 2-1 et il ne reste que 4 minutes à jouer. Les joueurs semblent épuisés. Papa, on est là. Aide-nous. Enfin, vous voilà. Bonjour les bébés. Oh, venez. Doucement. Voilà. C'est bien, je le tiens. Voilà. Les voilà. Dépêchons-nous. Suivez-moi. Il règne une grosse agitation sur le terrain. La foule est en effervescence. C'est Buddy. Herbert est arrivé. Ça alors, mieux vaut tard que jamais. Voilà que monte sur le terrain les joueurs manquants. Emma Potter, Josh Fram et Herbert. Allez sur le terrain. Buddy, vite en position. Emma sur l'aile droite. Mike, reprends ta place. Moose, reprends ta place aussi. On va avoir un vrai match maintenant. Oui, on va vraiment avoir un match. Excusez-moi. Josh, à toi. Les deux équipes sont à égalité et il ne reste qu'une minute de jeu. Superbe. Buddy est extraordinaire. C'est gentil. Merci. Une grande équipe. Félicitations, coach. Merci, Jack. Beau match. Bien joué, les gars. Bien joué. Impressionnant comme jeu. Buddy est incroyable. Brian Ashcurry. Moi, c'est Emma. Et voici Josh. Salut. Salut, Josh. Voici Buddy. C'est un plaisir, Buddy. Quel coup de tête. On devrait se faire une partie. Bien sûr. Ça en vaut la peine. Tu entends ? Vous êtes bien parti, continuez comme ça. Comptez sur nous. Je vous tiens à l'œil, d'accord ? Que pouvait-on espérer de mieux ? Le championnat est en jeu et le monde entier retient son souffle. Eh oui, une fois encore, les États-Unis disputent le championnat du monde. Réussiront-ils l'exploit de l'année dernière ? Tout va se jouer par tir au but entre la Norvège et les États-Unis. Tout repose à présent sur les épaules de Brian Ashcurry. Les Norvégiennes mènent pour l'instant 2-1. La tension est intense pour Ashcurry. Il faut qu'elle contre ce tir. Quelle détente de Ashcurry ! Les États-Unis sont à nouveau dans la course ! C'est maintenant au tour de l'Américaine Bianca Castin. Elle peut encore amener les États-Unis à égalité si elle réussit à passer la gardienne de but norvégienne. Elle a marqué ! À quelques centimètres près, mais elle a marqué ! Le score est de 2-2. C'est à nouveau de Brian Ashcurry que dépend la victoire. Les Norvégiennes vont tirer leur 4e essai. Si elles marquent, elles mèneront le jeu. Que se passe-t-il ? Ashcurry est à terre. Elle semble blessée. Elle tâche de se redresser, mais elle a l'air Regardez, de souffrir beaucoup. C'est un coup terrible pour les États-Unis si elle doit se retirer. La Norvège a encore un essai à tirer et les États-Unis risquent gros.
C'est maintenant Tisha Venturini qui va tirer pour les États-Unis. Elle n'en est pas à sa première expérience et elle a déjà fait preuve d'une grande résistance au stress. Si elle arrive à placer un but supplémentaire, les États-Unis mèneront et le verdict final dépendra de leurs adversaires. Et elle marque ! Quel tir ! Une vraie bombe ! Les Américaines, cette fois, mènent le jeu ! Brianna Scurry est revenue devant le but, mais il est évident qu'elle souffre énormément. On semble se concerter du côté du banc des États-Unis. L'entraîneur désigne... Non, c'est pas possible. L'entraîneur vient de désigner Buddy Fram pour remplacer Scurry. Franck, c'est une plaisanterie. Je dirais mieux, c'est de la folie. Ils ne peuvent pas mettre la victoire entre les pattes d'un chien, tout de même. Arrête le ballon. C'est à Buddy de jouer. Vas-y, Buddy. J'espère qu'il y arrivera. Il est sacrément donné. Allez, vas-y, Buddy! On compte sur toi! Championne du monde! Inimaginable, une équipe remarquable dont la vedette est un chien extraordinaire. C'est magique, Franck. C'est Air Bud. Buddy, comment tu vas, champion? T'es pas venu seul? Toute la famille est là. Venez, venez là, mignon. Ils sont mignons, tes enfants. Oh, cachotier, tu nous as pas pris. Venez approcher. Oh mon Dieu, ils sont trop mignons. Bravo, Buddy. Doucement, doucement. Ils sont tout fous. Au fait, Brianna et les filles vont bientôt arriver. Si on se faisait quelques balles. Ah, génial, on Allons-y. Y va. En avant. Allez, venez les chiens. On vous entraînez. S'ils sont le talent de leur papa, ça va voir ça tout de suite. Moi, j'y vais. Wow. Attention. Oh, on est trop loin. A certain magic fills the air. Your feet start tapping, and before too long, you're making moves like Fred Astaire. Stars, they'll be shining bright, lucky stars.
You can feel when it's real, because there's nothing to say. You can see right there in his eyes. Lucky stars, very shining bright. Lucky stars, just for me. Lucky stars, they'll be mine tonight. Lucky stars, wait and see. Lucky stars.